could be us. So back to what I was saying. Could be us. Eh bien, bonjour à vous et bienvenue à vous sur la chaîne de Joe. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, on se revient pour une nouvelle vidéo. Eh bien, pas une découverte, ni un gameplay, ni un let's play. Cette fois-ci, on se trouve tout simplement pour faire tout simplement un top 4 de mes meilleurs jeux de simulation de conduite de train auxquels j'ai pu jouer. Attention, les avis sont personnels, à vous de faire vos propres avis. Et c'est parti pour ce top 4. En quatrième position, on va retrouver Trains Railroad Simulator 2022, qui est tout simplement un jeu de train avec des... on va commencer tout simplement par l'aspect graphique. Hein. L'aspect graphique, il est quand même pas mauvais, mais c'est pas non plus le top top. J'ai déjà vu mieux en ce qui concerne les jeux de train au niveau des graphismes. On va avoir un monde ouvert, et ce sera même à vous de le construire ce monde, puisque vous avez la possibilité d'ouvrir une carte et tout simplement rouler dans ce monde ouvert, ou tout simplement... et votre propre map avec vos propres rails, vos propres routes, etc. Il y a la possibilité d'être en mode voyageur, en mode fret, etc. etc. avec des variétés de locomotives, trains, automoteurs, etc. Des missions aussi diversifiées. La progression se fait sentir quand même si vous jouez en mode normal, parce que c'est quand même un jeu type stratégie économie, mais bon. Vous avez la possibilité quand même de conduire des trains. La VR n'est pas disponible sur ce jeu, le jeu n'est pas disponible sur les consoles, attention. Le réalisme est au rendez-vous, il est au prix de 38,99€ sur Steam, avec moult DLC, pour en faire pâlir pas mal de vous qui adorez les DLC. Par contre, attention, les gens ne sont pas satisfaits par rapport aux avis des DLC, etc. A vous de faire votre propre avis et de tester ce jeu. Pour ma part, j'ai trouvé le jeu assez sympathique, assez dynamique. On est en autonomie la plupart du temps, mais attention aussi, les launchers sont présentés comme un peu à l'ancienne. Vous allez le voir en lançant le jeu, c'est un petit peu comme les vieux launchers sur les PC, pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez toujours tester sur Steam et puis vous faire rembourser. Ma note sur 10 sur ce jeu, ce sera, eh bien, je vais lui mettre tout simplement un 6,5 sur 10. Disponible aussi en multijoueur. Passons au top 3. Et bien au top 3, on retrouve Train Sim World 3, qui est tout simplement l'un des très bons jeux qui est actuellement disponible sur toute plateforme, confondue, donc Xbox, PS, etc. PC aussi. Le jeu est au prix de 35,99€ pour l'édition standard. Mais attention, pour les fanas encore de DLC, il y aura la dose, et ça, comme pour tout le monde, pour ceux qui connaissent tout simplement la franchise Train Sim, eh bien il y a toujours beaucoup de DLC. En tout cas, voilà, le jeu pour ma part, niveau graphique, il claque pas mal. Franchement, pour celui-ci, il claque quand même pas mal. On n'est pas sur un monde ouvert finalement, on est vraiment sur des missions qu'on va sélectionner, des missions ouvertes ou des missions vraiment, voilà, des horaires, etc. Un jeu assez intéressant, assez joli. Il se veut assez réaliste aussi, par contre ce jeu il est pas mal du tout au niveau du réalisme. Attention, au niveau de la variété des trains et des missions, ce sera en fonction de vos DLC, parce que vous allez sinon au bout d'un moment faire le tour en fait de tous les trains qui sont disponibles seulement sur le jeu, et puis au bout d'un moment bah vous allez craquer pour acheter les nouveaux DLC. La VR n'est pas disponible ni prise en charge, et disponible sur toutes les consoles. Et en deuxième position, nous retrouverons Sim Rail, The Railway Simulator, qui est au prix de 33,99€ sur Steam, et uniquement sur Steam, parce que c'est un jeu PC seulement et uniquement. Niveau graphisme, il est au top du top, il bat la plupart des jeux, c'est pour ça que tout le monde l'aime, c'est parce que c'est un jeu qui est très beau graphiquement, mais aussi il est très réaliste pour ce qu'il veut bien montrer. Au niveau de la variété des trains, on est quand même vraiment pas mal, on a quand même quelques trains sympathiques à jouer, on peut se jouer dans des missions type fret, type voyageur, avec différents et moult trains, tels que des automoteurs, locomotives et wagons, et j'en passe. Après, les progressions là sont quand même pas mal sur le jeu, ou même presque pas trop, on sent pas trop de progression en vrai sur le jeu, hein. C'est vraiment un jeu un peu en mode chill, je vais lancer le jeu et puis voilà.
Vous avez deux types de gameplay sur le jeu. Vous pouvez jouer en tant que conducteur de train dans le monde multijoueur ou bien même aiguilleur dans le monde multijoueur. Dans le monde multijoueur, en tant qu'aiguilleur, vous allez tout simplement changer les aiguillages pour que les trains puissent circuler dans votre station ou gare. Le jeu n'est pas disponible en VR et n'est disponible que sur PC. Et en top 1, on va retrouver mon jeu favori du moment qui est tout simplement Deraï Valley. Il est au prix tout simplement de 38,99€ sur Steam, sans DLC, etc. Niveau graphique, il claque pas des masses, mais franchement, il fait très bien le travail. Je préfère un jeu qui est mieux gameplay parlant que graphiquement parlant. Mais c'est un bon jeu quand même et ça passe graphiquement. Au niveau du réalisme, on est vraiment pas mal. Franchement, il est assez, même très réaliste. Vous avez différents types de missions variées telles que le fret, la logistique ou bien la manœuvre, tout en comptant toutes les sous-catégories de missions. Par exemple, pour le fret, vous pouvez avoir de la matière dangereuse, des matières militaires, un train long, etc. Et j'en passe, sachant que vous pouvez faire la maintenance de vos véhicules vous-même. Vous avez tellement de variétés de locomotives, vous en avez au moins une dizaine et sincèrement, elles sont toutes différentes à conduire et très sympathiques. Au niveau de la progression, on le ressent tout au long du jeu lorsque vous conduisez et que vous gagnez de l'argent et que vous achetez vos licences, et bien vous allez ressentir tout simplement la progression puisque vous allez tout simplement acheter de nouvelles licences et être content et de vous battre pour ça. Le jeu est disponible en VR et ce sera le seul de ce top puisqu'il vient de base du VR. Ce jeu vient de base tout simplement du VR, c'est un jeu VR tout simplement disponible sur Steam depuis un bon bout de temps, mais il y a eu une mise à jour majeure récemment et il est aussi disponible pour les PC. Donc vous pouvez jouer aussi très bien avec le clavier et la souris. Il n'est pas disponible sur console et uniquement PC et Oculus Store. Et nous allons terminer ce top, tout simplement en ne le mettant pas dedans, puisque je n'ai pas pu encore y jouer, tout simplement en parlant de Train Sim World 4, qui devrait sortir d'ici peu, d'ici tout simplement le 26 septembre 2023, d'ici même pas un mois. Il vaut 33,74€ sur Steam à la précommande, et sur les consoles, je ne sais pas, mais disponible comme d'habitude pour tous les Trains Sim, et bien sur toutes les plateformes. A voir si c'est aussi beau que le 2/3, mais est-ce que ça va être frustrant ou pas le fait de ne pas avoir cette progression, le sentiment de répétition puisqu'on va toucher toujours au même train et que... Et en fait tout simplement, Train Sim nous pousse tout simplement à acheter les DLC. C'est pour ça qu'ils mettent que 3 ou 4 trains et puis après bah faut acheter les DLC si vous voulez jouer un peu plus. Ça a toujours été comme ça et tous les fans de Train Sim le savent. En tout cas, très bientôt disponible. Et ainsi s'achève cette vidéo, merci de votre présence, merci de vos commentaires pour ceux qui le feront, n'hésitez pas à partager, liker la vidéo et aussi rejoindre le Discord communautaire qui sert tout simplement à la communauté à pouvoir discuter entre nous, mais aussi bien à pouvoir faire des suggestions de jeux de votre part, comme ça ce que vous aimeriez voir simplement sur la chaîne dans les prochains jours. En tout cas, d'ici les prochains jours, vous allez voir du nouveau jeu qui vont pas tarder à sortir. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur le calendrier des grosses sorties de jeux attendues. En tout cas, on se revoit très prochainement pour une prochaine vidéo. C'était Joe, portez-vous bien, à bientôt. Bisous. So back to what I was saying. Could be us.